C'est à qui, hein? C'est Albert Giffoul. Ouais, franchement. D'abord, je prends. Et après, je fais ça. Wow. Je m'appelle François Dubois, j'ai 27 ans. J'étudie un master pour travailler dans des associations, des ONG. T'avais vraiment pas de valet? Je suis à la Maison Lazare depuis un an. La Maison Lazare, c'est mettre en place des colocations solidaires entre des personnes qui ont connu la galère et des jeunes pros. On n'a pas de mission en tant que telle. Le but ultime, c'est de vivre une amitié pour que chacun évolue, voire se reconstruise, que chacun grandisse. Pour faire une vinaigrette. J'ai vécu, c'est vrai, pendant un mois à Dublin, dans la rue. J'ai dormi sur des cartons. Et puis après, j'ai été accueilli par des gens de la rue, vraiment, qui m'ont dit, viens, tu seras bien avec nous. Et là, j'ai mangé avec eux. On est pas mal. J'ai vraiment vu cette solidarité. Et c'est vrai que quand je suis revenu en France, et puis après mes différents projets, je me suis dit, il faut vraiment que je redonne pour des personnes qui ont aussi connu la rue ou la grande galère. Et en fait, quand j'ai vu Lazare, je me suis dit, mais c'est exactement ça. Que ma bouche chante ta louange. Sans la foi, je pense que j'aurais plus de mal à vivre cette expérience, parce que cette foi que j'ai me permet d'être plus patient, d'être plus humble, d'être plus doux. Les personnes que je rencontre sont hyper belles. Et moi, je pense que c'est cette façon de faire qui me permet d'aller vers l'autre. Et le pape François dit que c'est en allant vers les autres qu'on va se reconstruire, qu'on va se connaître. Et pour moi, ça, Lazare, c'est ça. C'est servir pour mieux se connaître. Je prends des pâtes et des pâtes.